Donc le numéro 1 est ici devant les juges, Claudie Pelsi et Emmanuel Crêteux. Étoile d'Arzambouy, fille de Costalpas, donc les Laurence. Une souche trinquée, c'est la famille de Nitrate de Inox. Quel ami de l'ami. Vous voyez, cette année, nous avons de jolis pédigrés que nous pouvons détailler à souhait. Donc Valérie Nicole, qui habite à Arzambouy, qui est ici. Arzambouy, donc elle nomme ses chevaux avec le nom du village, en l'occurrence. Étoile d'Arzambouy, un chevalier le 26 février, un cheval de Costalpas, étalon, qui a obtenu des résultats extrêmement spectaculaires depuis l'automne 2015. Ce frère de Martaline, digne frère de Martaline, je dirais. Que les juges sont ici en train d'inspecter de face. Bien sûr, l'intérêt, c'est de voir la droiture des appelés. Voilà, on va pouvoir trotter maintenant avec ce numéro 1, Étoile d'Arzambouy. Falzane 3, cheval de bois. Il a signalé la présence de nombreux entraîneurs. Bien sûr, qui est juge, aperçu aussi François Nicole, Étienne Lippers, Edouard également, Gabriel Lippers aussi, les fidèles des concours de Cercy. On va pouvoir la replacer de travers. Voici donc pour la fille de Costalpas. Par Hawker's Nose qui a déjà produit Arzambouy premier. Un coursier remarquable, fils de Lavirco, vainqueur du prix Le Pontet à Enghien et vainqueur ensuite en Irlande.